Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour une pause PlayerGamer les amis. J'espère que vous allez bien, donc c'est parti, nous allons commencer tout de suite avec le programme. Donc alors, lundi, vous allez avoir Sword Art Online Fatal Bullet. Mardi, vous allez avoir que Sword Art Fatal Bullet, donc peut-être, si je le sors, God of War, mais on y reviendra après. Donc mardi, Lady Layton et Assassin's Creed Rogue. Mercredi, Zelda Breath of the Wild. Jeudi, Assassin's Creed Rogue et Lady Layton. Vendredi, un épisode de Zelda et de Nanatsu no Taizai. Samedi, un live Farm et Sword Art Online Fatal Bullet. Et dimanche, un épisode de Nanatsu no Taizai. Donc voilà, c'est tout pour le programme, donc j'espère que vous plaît. Alors, j'avais précisé God of War. Donc God of War, je l'ai pas encore, là actuellement où je vous parle. Je l'ai pas encore, normalement je l'achète alors vous voyez cette vidéo, normalement je l'ai entre les mains. Mais là je le file, je tourne, nous sommes dimanche. Donc du coup je n'ai pas le jeu. Normalement je vais l'acheter le lendemain, donc lundi. Donc normalement je dois avoir le jeu, donc voilà. Vous verrez, mais du coup soit l'épisode j'arrive à le mettre lundi, ce qui va être très 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 juste. Ou soit je vous sors l'épisode, ce qui est presque sûr, mercredi. Voilà. Mercredi et peut-être le deuxième dimanche, donc je verrai bien. Ensuite, un point sur les séries. Donc normalement cette semaine là se conclut Lady Layton. Donc il reste deux épisodes, le 42 et le 43 il me semble. Donc voilà, ça aurait été un très bon let's play, mais bon, j'y reviens dans l'épisode final, donc vous verrez tout ça. Ensuite, Assassin's Creed Rogue, je suis à 4 vidéos, donc les deux vidéos là c'est bon. Donc il y en a une qui a skippé la semaine dernière, hein, j'ai pas pu filmer. Enfin j'ai pas le temps, trouvé le temps de filmer, donc bon. Voilà, ça arrive qu'il y a des épisodes qui sautent. C'est au Fatal Bullet, j'ai pas mal d'épisodes, donc normalement ça devrait le faire. J'ai quelques épisodes en stock. Nanatsu no Taizai, j'ai filmé quelques épisodes, mais je crois qu'il y en a un qui a sauté aussi. Parce que pareil, manque de temps, mais là j'en ai deux cette fois je crois. Deux ou trois, donc en rab. Donc là ça devrait aller mieux. Et Zelda j'en ai pas mal. J'en ai 3-4 il me semble. Donc voilà, ensuite le live les amis. On va parler du live, donc le live qui s'est déroulé samedi. Donc à l'heure où je filme hier. Donc c'est tourné hier, alors à la base il devait être mis de 18h à 20h. Je sais les amis, mais j'ai eu des gros problèmes de connexion. On a mis trop de temps avec Icarus à trouver le truc. Donc du coup je pense, pour le bien de tous, enfin je pense que le prochain live sera de 23h à 1h du matin, samedi, voilà. Je pense que le live sera samedi, 23h à 1h du matin, c'est là où j'ai le plus de connexion, et voilà, j'espère que la connexion sera stable. Mais guettez, donc soit 18h, 20h, soit 23h, 1h du matin, mais merci à tout le monde qui était venu sur le live, ça fait extrêmement plaisir, franchement, vous imaginez pas. Ça faisait énormément plaisir. Donc le prochain live sera sur probablement Mario Odyssey. Mais vous verrez, normalement, je mettrai, après cette pause PlayerGamer, je mettrai une alerte sur ma chaîne. Une alerte sur le live justement en question. Donc normalement c'est Mario Odyssey, mais si j'ai un dernier avis, genre je me dis ah je veux faire celui-là, je ferai celui-là. Mais du coup Mario Odyssey je pense, sur les lunes, donc à farm. Donc voilà, ensuite, alors. Donc le live c'est bon. On va faire un point des animés. Donc le point des animés, d'abord Tokyo Ghoul, donc épisode 3 si je me trompe pas. On a vu pas spécialement de combat, mais surtout c'était pas un épisode très très intéressant, honnêtement. C'était pas un épisode très très intéressant. On a vu on a appris que normalement, donc du coup Eyes c'est Kaneki en gros. Donc voilà, voilà, c'était pas très intéressant. Là, ils sont à la recherche d'une ghoul justement à abattre. Donc, pour l'instant, c'était pas très intéressant cet épisode 3. On en reparlera plus, je pense, quand ça se découpillera plus. Au fait, si tu veux ne pas être spoil des animés que je parle, tu peux skipper en bas dans la description. J'ai dans la description, normalement, je mettrai à quel moment tu skips. Voilà, tu regardes la description et voilà. Donc ensuite, Nanatsu no Taizai. Alors là, c'était une bombe. C'était une bombe cet épisode. Donc Nanatsu no Taizai, épisode 14. Donc c'était l'épisode où on a vu enfin le tant attendu Escanor, les amis.
Et justement, c'est dans cette semaine-là, je crois, il me semble. Non, pas, peut-être pas cette semaine-là, mais la semaine prochaine, pour moi, dans mon let's play, que vous allez voir Escanor. Donc voilà, on voit Escanor dans l'anime, ça y est. Et que dire, franchement, c'est énorme. Honnêtement, encore une fois, je vous dis, hein, je ne lis pas le light novel, donc pas de spoil. Je ne lis pas le manga, donc je regarde l'anime chaque fois qu'il sort. Et donc du coup, ouais, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. J'aurais trop aimé un épisode de 50 minutes, je vous le cache pas. C'était super, franchement, Escanor, la puissance là, il a éliminé Galan et... Comment elle s'appelle la fille? La fille c'est Murasa, je sais plus quoi. Je sais plus le nom de la fille, mais du coup il a éliminé 2 des 10 commandements, c'est énorme. Franchement énorme. Et les deux personnalités, hein, la personnalité Escanor tout sec et Escanor bien baraque, ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais en tout cas c'est très très stylé. Et son arme, hein, une espèce de... En fait, son arme a son embout comme une rapière. Il tire comme une rapière, mais en fait, c'est une hache. Donc voilà, c'est vraiment abusé. Et dans le jeu, pour vous dire un petit spoil dans le jeu, il est abusé aussi dans le jeu. Franchement. Après, je ne l'ai pas encore trop testé, mais j'ai essayé un combat avec. Il est pété. Voilà, autant vous le dire. Donc voilà, c'est l'épisode de la Soultasia. J'attends énormément la suite. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Alors ensuite, High School DxD. Donc EP1 officiel, parce que ça y est, ils ont rectifié, hein, c'était l'EP0, celui-là le dernier, la semaine dernière. Donc là, EP1, un peu plus intéressant, on a eu un combat d'Issei contre, je ne sais plus, l'un des nouveaux démons, mais lui, on l'a vu la saison 3, il était hyper balèze, donc voilà, il a pas de pouvoir en particulier, c'est juste qu'il a une super musculature, donc du coup, il combat au point. Ce qui est assez impressionnant, hein, vu qu'Issei a une armure. C'était un combat pas mal, mais bon, c'est l'EP1, hein, c'est présentation... Voilà, c'est encore le P1, bon, on peut pas dire grand-chose, c'est pas le P le plus excitant de cette saison 4, mais après, ce qui est des graphismes, ça me dérange pas du tout. Hein. Graphisme, ça va, je trouve, il y a eu du gros etchi, hein, mais bon, après, voilà, c'est un épisode 1, bon, qui passe, mais... C'était pas la folie non plus, on va pas se mentir. Alors, ensuite, Sword Art Online Alternative Gun Gun Online, donc c'est épisode 3, je crois, hein. Ça va être l'épisode 3. Donc là, on a eu Len qui parle à Pitui, donc au sujet du squad jam. Donc en gros, en fait, si pour vous situer l'événement, donc l'épisode 1, ça vous présente un peu Len, sa capacité spéciale, voilà, le fait qu'elle est petite et tout. Le P2, c'est le passé, en fait, genre sa vie réelle, en gros. Sa vie réelle et le passé avec sa rencontre de Pitui. Et là, le P3, en fait, c'est juste avant le P1. En fait, si vous voulez, voilà, pour la chronologie, c'est juste avant le P1 et on a justement, ça se termine au début du Squad Jam. Donc le P4 va être largement plus intéressant vu que là, on va reprendre là où on s'est arrêté à le P1 au final. Donc là, on a rattrapé un peu tout le passé. Et donc, voilà, pour l'instant, on verra bien. Ce qui... Il y a Icarus qui m'a dit une théorie sympa au sujet de Pitui, qui ça pourrait être en IRL. Eh bien, il pense que ça serait la chanteuse, donc Kanzaki Elsa, je sais plus son nom, c'est Kanzaki, je crois, il me semble, donc la chanteuse que Len écoute, justement, et eh ben, il pense que ça serait Pitui. Bon, en soi, ce qui est possible, hein, parce qu'elle la met vachement en avant, quand même, la chanteuse. C'est quand même un peu vachement mis en avant, donc... C'est possible. Donc voilà, donc on verra bien sur l'identité de Pitui. J'espère qu'on va la voir en IRL, ça serait vachement intéressant et que peut-être que les deux vont se rencontrer IRL. Ça serait pas mal, ça serait intéressant. Ensuite, alors Last Period, j'ai pas regardé le P2 pour le moment. Donc voilà, je peux pas en vous dire. Mais ensuite, Lady Layton, les amis, celui-là, je l'ai regardé. Donc ce Lady Layton, sympa aussi. Sympa. Franchement, Catriel est très bien faite, je trouve. Elle est vraiment très bien faite. Elle a plus de vie que la version 3DS, en fait. Ça me plaît, c'est vraiment pas mal. Donc, une affaire au sujet d'une robe qui est possédée. Donc, une affaire plutôt sympa. On a vu, on a cru à un moment qu'on aurait vu Herschel. Mais au final, non. Ce n'était pas Herschel. Donc, bon, c'est pas grave. Mais voilà, ce top 2 était sympa, je pense pas que ça va être mon enquête préférée, mais c'était une enquête sympa, c'est une enquête sympathique. Et enfin, Shokugeki no Soma, alors là, alors je vous parle les amis, alors le problème de Shokugeki no Soma, le problème il sort dimanche. Donc du coup là, alors je vous tourne, l'épisode n'est pas encore sorti en fait. L'épisode qu'on va voir là dans quelques heures pour moi,
Il est pas encore sorti. Donc du coup, je peux vous dire seulement le précédent. Donc ça y est, Soma, Irina, tout ça, ils ont fini de s'entraîner. Donc Soma a affronté sa première épreuve hein, de ce fameux camp, de ce nouveau camp. Donc première épreuve où la professeure, enfin la jury, voilà, a donné des poissons pourris. Donc pour que Soma et la bande ratent, justement pour les virer. Mais au final, ils y arrivent. Ils arrivent à s'en sortir, donc c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Après, j'attends le prochain surtout. Hein. C'est vraiment celui-là que je vais voir là dans quelques heures qui va être énorme. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Mais voilà, du coup pour Soma, c'est un peu dommage. Mais les amis, je vais avoir du décalage. Donc voilà, n'en voulez pas. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous avez pensé de justement l'épisode que je vais voir dans quelques heures. Hein. Je l'aurais vu, donc vous inquiétez pas. Vous pouvez spoil sur Shokujekin au Soma. Mais bon, s'il y en a qui regardent et... avant ma vidéo, avant Soma, donc évitez quand même, mais bon, voilà, et modérez le spoil, quoi, si vous voulez. Mais sinon, ouais, sinon, bon, cette deuxième partie de saison 3 part plutôt bien, mais ça va vraiment bouger, en fait, c'est surtout ça. J'attends vraiment que ça bouge, et ça va bouger, je pense. Donc, ensuite, n'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous voulez, après, posez-les soit dans le live, hein, soit là, la post-périmère, c'est fait pour ça, j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Et donc ensuite, on va finir sur une petite critique, les amis. Donc, petite critique, donc cette fois, c'est sur un let's play qui s'est terminé il y a une semaine, justement. Donc, la petite critique de Kirby Star Allies. Donc, let's play fait en coop avec Icarus, donc on a pris 7 épisodes, je crois, à le boucler, 7 ou 9, je ne sais plus. Donc, Kirby Star Allies, donc le nouveau Kirby de la Switch. Alors, c'est un bon Kirby. J'étais agréablement surpris des graphismes. Graphisme très 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 bon. J'étais surpris. Très très surpris que ça soit aussi beau en fait. Tout simplement. Donc voilà. Le fait de jouer en coop, c'est vraiment bien. Le fait de jouer en coop, ça rajoute un truc, mais... Ça rajoute... C'est plus de fun. En fait, je vous conseille vraiment de jouer ce jeu à plusieurs et non tout seul parce que... Bon, tout seul, il n'y a pas de challenge, quoi, il n'y a pas de difficulté. Mais à plusieurs, c'est pas mal, à plusieurs, on s'amuse vraiment bien. Après, l'histoire, bon, c'est pas la meilleure. Honnêtement, j'ai préféré Moose Attack, qui était mieux avec les pirates et tout. Et même le passant arc-en-ciel, parce que c'est un petit peu bâclé. C'est un petit peu bâclé quand même, mais ça reste un bon Kirby, mais bon. Mettez pas 40€ pour le jeu, hein, si vous voulez mon avis. 20€ serait bien. Pour ce Kirby, parce qu'il est quand même assez court, mais voilà, le fait qu'on peut contrôler Meta Knight et tout ça, c'est pas mal, mais bon, c'est un bon Kirby, mais ça sera pas le meilleur jeu de la Switch, hein, autant vous le dire. C'est voilà, c'est ce petit Kirby est sympa, mais c'est pas le meilleur de la Switch de cette année, hein, autant se le dire. Donc voilà, si je pourrais donner une note à ce Kirby, hein, je pense qu'un 13, 14 ou 12 serait dans ces eaux-là. Assez approprié, hein, parce que c'est pas le jeu vital à jouer sur la Switch, hein, autant vous le dire. Même pour un fan de Kirby, c'est pas le Kirby vital, quoi. C'est voilà. Mais ça a quand même son charme. Ça a quand même son charme et la qualité est vraiment sympa. Mais encore une fois, c'est vraiment à plusieurs qui jouent, quoi. Franchement, c'est à plusieurs ils se jouent. Et ça fait quelque chose, en fait, à plusieurs. C'est surtout ça. Donc voilà, bah, je crois que j'ai tout bouclé, donc voilà. Juste pour vous dire que les lives, n'oubliez pas hein, 23h à 1h, hein, je vais juste voir un truc, ouais 13 minutes, petite pause pour l'humeur après tout. Hein. Donc ouais, surtout n'oubliez pas un prochain live 23h, 1h du matin, mais je mettrai une notification, ne vous inquiétez pas. Lady Hayton, on en reparlera la semaine prochaine, hein, qui ce jeu aura été très très bon. Hein. Franchement, vous verrez bien la critique, mais là il y aura plus de choses à dire sur ce Lady Hayton. Il n'y a pas de souci parce qu'il a quand même duré 43 épisodes dans la chaîne, hein, c'est... énorme, je crois, pour avoir fait tous les Layton, bon bien sûr pas sur la chaîne, mais je pense que ce Layton sera le plus long, et le plus long des Layton, donc voilà, on en reparlera. Mais ouais, sinon je voulais aussi vous dire aussi les prochains lives, enfin les types de lives que je suis susceptible de faire. Alors d'abord je ferai, même sûr, plus tard, enfin il faut attendre que le let's play avance, du farm sur Sao Fatal Bullet. Parce que je veux platiner le trophée, les amis. Et pour le platiner, il faut gratter l'amitié avec tous les persos de Sao. Donc Azuna, Lifa, voilà, toutes les filles. Et aussi les mecs, Kirito, je ne sais pas. Itsuki, ouais.
Itsuki Walié, Agile Klein. Voilà, eux je sais que c'est sûr. Bah, du coup, il faudra platiner le trophée sur ça. Et ça va, il va y avoir pas mal de lives. Après, d'autres lives sur Zelda, parce que le dernier aura été une réussite, avec les modes d'hardcore qu'on a vaincu. Mais prochain live sur Zelda, je ne sais pas pour le moment, les amis. Il faudra que je tourne, mais on verra bien. Mais voilà, après du live farm sur Assassin's Creed Rogue, parce que lui aussi j'aimerais bien platiner le platine justement, et il y a des genre amélioration du navire, je pense le faire avec vous, récupérer des pots de bêtes, je pense le faire en live. Voilà, donc ça surtout. Et après pourquoi pas du farm sur d'autres jeux qui sont non let's play, genre par exemple FF15, ça pourrait être sympa, mais bon pour le moment j'ai pas trop l'envie. Un autre SAO quand j'aurai fini Fatal Bullet. Voilà, il y a plein d'idées de live, mais encore une fois, dites-moi si vous avez des idées de live, hein, je suis preneur. Et voilà, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette post-périmeur. J'espère que ça vous aura plu. Donc passez une bonne semaine pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances, donc comme moi, et pour ceux qui reprennent justement ce lundi, courage, soyez forts. Voilà, allez, merci à regarder cette vidéo et à très vite pour la suite. Bye tout le monde.